Bien-être, aisance et plaisir de la conduite sont les piliers de la philosophie de la marque Rover. La Rover 75 est le choix de quatre nouvelles motorisations souples et performantes, comprenant trois moteurs essence et un moteur diesel. Toutes ces motorisations utilisent des techniques de pointe. Cette vidéo, divisée en quatre parties, présente les quatre moteurs et leur système de gestion. La première partie présente les caractéristiques générales de chaque moteur. La deuxième partie concerne le nouveau moteur diesel de 2 litres, connu sous le nom de M47R. Ce moteur utilise la technologie d'injection directe Bosch appelée Common Rail et développe une puissance de 85 kW. La troisième partie présente le moteur essence 8. C'est le moteur série K18. Ses performances ont été améliorées et lui permettent de développer une puissance de 88 kW. Enfin, dans la quatrième partie, nous vous présenterons les deux autres moteurs essence, à savoir les deux moteurs KV6. L'un, d'une cylindrée de 2 litres, développe une puissance de 110 kW. L'autre, de 2,5 litres, fournit 130 kW. La version 2 litres a été spécialement conçue pour la Rover 75. Hormis la cylindrée, sa conception est identique à celle du 2,5 litres. Afin de mieux vous repérer, le type de moteur que nous vous présentons est inscrit dans le coin supérieur droit de l'écran. L'aspect extérieur des moteurs lorsqu'on regarde sous le capot est propre et net. Chaque réservoir est clairement identifié et ceux qui nécessitent un contrôle de niveau sont facilement accessibles. Les moteurs sont tous montés transversalement et pour minimiser les bruits et les vibrations, un montage spécial a été conçu. Ce montage consiste en un support hydromatique sur le côté droit et d'un cylindre bloc hydraulique sur le côté gauche. Ces deux systèmes combinés permettent de supporter le moteur. En plus de ce système de fixation, deux tirants contrôlent les réactions du moteur lors des accélérations et des décélérations. Le refroidissement du moteur est assuré par un radiateur en aluminium, dont la conception est issue des dernières technologies dans le domaine des échangeurs thermiques. Le flux d'air passant à travers ce radiateur est augmenté par l'utilisation d'un ventilateur électrique, le plus grand jamais monté sur une Rover. Ce ventilateur, d'ailleurs, refroidit également le condenseur du système de climatisation. Le système de refroidissement du moteur utilise un nouveau type de liquide de refroidissement anti-corrosion, qui doit être remplacé tous les 4 ans, mais qui a une durée de vie potentielle de plus de 160 000 km. À propos de circuits de refroidissement, les deux moteurs KV6 ainsi que le moteur diesel sont équipés d'un refroidisseur d'huile. La transmission du couple de chaque moteur est assurée soit par une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports ou par une boîte de vitesse automatique également à 5 rapports. C'est d'ailleurs la première fois qu'un véhicule Rover diesel est équipé d'une boîte automatique. A l'instar des moteurs essence multisoupapes, le nouveau moteur diesel possède 4 soupapes par cylindre, ce qui signifie que désormais, tous les modèles de la Rover 75 sont équipés de moteurs multisoupapes avec double arbre à cam en tête. Bien entendu, tous les moteurs répondent aux normes anti-pollution actuellement en vigueur. Ils devront également répondre aux futures normes européennes de l'an 2000, connues sous le nom de ECD3 et qui concernent principalement l'émission de polluants à l'échappement, l'émission de vapeur de carburant et les diagnostics embarqués. La norme ECD3 exige que les systèmes de gestion moteur soient capables de détecter et d'enregistrer toute panne susceptible d'affecter directement le taux d'émission de polluants. Les diagnostics embarqués le permettent. Lorsqu'une panne ECD3 est détectée, celle-ci est enregistrée dans la mémoire de l'ECM comme toute autre panne. Vous pouvez bien entendu accéder au code de panne en interrogeant la mémoire du boîtier à l'aide du testbook. En janvier 2001, tous les véhicules équipés d'un moteur essence devront prévenir le conducteur lorsqu'une panne a été détectée, en allumant le témoin de dysfonctionnement moteur appelé témoin 1000. Pour les systèmes de gestion moteur essence de la Rover 75, ce témoin sera actif avant cette date. Durant les 10 années qui suivent l'an 2000, la législation concernant le fonctionnement du témoin 1000 sera introduite pour les véhicules diesel.
Le moteur diesel M47R est la toute dernière version de motorisation diesel développée conjointement par les ingénieurs de Rover et de BMW. C'est un moteur 2 litres à 4 cylindres, équipé de 4 soupapes par cylindre et de 2 arbres à cam en tête entraînés par chaîne. Il développe une puissance de 85 kW à un régime de 4000 tours minute et produit un couple de 260 Nm à seulement 2000 tours minute. Ce couple est disponible sur une grande plage de régime, rendant le moteur incroyablement souple. Les soupapes sont commandées par l'intermédiaire de linguets à rouleaux et de poussoirs hydrauliques, ce qui rend le moteur très silencieux. Cette conception permet également de réduire les frottements et donc la consommation de carburant. D'autres mesures ont été prises afin de réduire les émissions de bruit. Un carter inférieur en aluminium en deux parties. Un cache culbuteur en plastique intégrant le logement du filtre à air. Et l'utilisation de pré-injection afin de réduire les claquements caractéristiques des moteurs diesel à injection directe. Nous verrons cette particularité de l'injection plus tard dans ce programme. Le circuit de refroidissement du moteur diesel est également équipé d'un réchauffeur additionnel placé en amont du radiateur de chauffage. Lorsque le moteur démarre, si la température extérieure est inférieure à 5 degrés Celsius, le réchauffeur brûlera du carburant extrait du réservoir. Ceci permet de réchauffer le liquide de refroidissement, accélérant ainsi le réchauffement du moteur et de l'habitacle. Comme le moteur atteint rapidement sa température normale de fonctionnement, la consommation de carburant du réchauffeur additionnel est négligeable. À propos, le thermostat du système de refroidissement est placé à l'extrémité de la culasse. Les accessoires du moteur sont entraînés par deux courroies poly-V. L'une entraîne le compresseur de climatisation et sa tension est réglée manuellement, alors que l'autre possède un tendeur automatique et entraîne les autres accessoires tels que la pompe de direction assistée, la pompe à eau et l'alternateur. Il est important de noter que les courroies doivent être remplacées tous les 120 000 km ou tous les 6 ans. Le turbo et l'intercooler permettent la suralimentation des chambres de combustion en air de haute densité. Ceci, en plus des 4 soupapes par cylindre et d'une injection haute performance, assure une combustion optimale du mélange. Le moteur est équipé d'un système d'injection directe mis au point par Bosch, appelé Common Rail. Ce système élimine les inconvénients des systèmes d'injection précédents pour lesquels la pression et la quantité de carburant injecté variaient en fonction du régime moteur. La technologie du Common Rail est similaire, dans le principe, à l'injection de carburant des moteurs essence. Une pompe primaire alimente à partir du réservoir une pompe basse pression, puis une pompe haute pression entraînée par chaîne. Le carburant est ainsi mis sous pression dans la rampe qui à son tour alimente les injecteurs. La rampe d'injection peut être considérée comme un accumulateur qui fournirait du carburant sous pression et qui en même temps amortirait toute variation de pression. Le carburant non utilisé retourne au réservoir en passant par le refroidisseur placé à côté de la roue arrière droite. La pression moyenne de carburant dans la rampe se situe à environ 1350 bars. Il est donc très important de prendre toutes les précautions nécessaires lorsque vous intervenez sur le système. Référez-vous toujours aux instructions données dans le manuel d'atelier avant toute intervention. 4 injecteurs commandés par des solénoïdes injectent le carburant directement dans chaque chambre de combustion. Le point d'injection ainsi que le temps d'ouverture de ces injecteurs sont calculés par l'ECM. Chaque injecteur est commandé séparément et fournit les quantités de carburant nécessaires à la pré-injection ainsi qu'à l'injection principale par petites quantités successives. Ceci permet d'injecter le carburant de manière progressive et donc de réduire les retards d'allumage qui caractérisent les systèmes d'injection diesel conventionnels. Cette caractéristique, associée à une haute pression constante, permet de rendre l'injection plus souple et plus précise, ce qui améliore la combustion du mélange, réduit les émissions à l'échappement et améliore les performances. Pour le conducteur, tout ceci se traduit simplement par un grand confort de conduite.
La soupape de recirculation des gaz d'échappement en plastique est placée sous le collecteur d'admission. Il est important de noter que sur les Rover 75 équipés d'un moteur diesel, la régulation de vitesse est assurée par le système de gestion moteur ainsi que par l'interface du régulateur lui-même. Il n'y a pas d'actionneur de papillon supplémentaire. La Rover 75 est ainsi la première voiture anglaise à utiliser la technologie Common Rail. C'est également le seul véhicule à être équipé d'un moteur diesel Common Rail de 2 litres, actuellement le plus puissant sur le marché. Le moteur essence Erika de 1,8 litre avec sa conception à vis traversante a été modifié afin d'améliorer ses performances et pour répondre aux normes anti-pollution de l'an 2000. Ce moteur développe une puissance de 88 kW. Les modifications apportées sont les suivantes. Une fixation à 5 points du moteur du côté droit en augmente la rigidité. Un bouclier thermique incorporé au collecteur d'échappement et un catalyseur de démarrage. Ce catalyseur est bien plus petit que le catalyseur principal, ce qui lui permet de se réchauffer plus vite et donc de réduire les émissions de polluants lors du démarrage à froid. Le support moteur étant placé à droite, quelques modifications ont dû être apportées au bloc moteur pour maintenir le catalyseur de démarrage. Un volant moteur bimasse équipe les modèles à boîte manuelle. Cela permet de réduire les bruits et d'améliorer le confort de conduite. Il y a également un nouveau cache arbre à cam, un nouvel arbre à cam et un nouveau capteur d'arbre à cam. Ce nouveau type de capteur fournit un signal numérique utilisé pour l'injection séquentielle. Un tendeur automatique de la courroie de distribution permet de réduire les bruits et d'augmenter l'intervalle d'entretien, passant ainsi de 96 000 à 150 000 km. Du fait des modifications apportées à l'arbre à cam et au tendeur de courroie, la culasse a dû également être modifiée. La courroie qui entraîne le compresseur de climatisation possède aussi un tendeur automatique. Cela signifie que pour la courroie de distribution, sa durée de vie est passée à 150 000 km. Voyons maintenant les changements qui ont été apportés au MEMS 3, le système modulaire de gestion moteur. Commençons par les signaux d'entrée de l'ECM. Le principe de fonctionnement du MEMS 3 est identique à celui des versions de MEMS précédentes. Mais ce dernier reçoit des signaux supplémentaires, à savoir un signal de charge d'alternateur, un signal de charge de la direction assistée et un signal de charge du compresseur de climatisation. Le MEMS 3 reçoit également des signaux provenant des sondes à oxygène. Afin de répondre aux normes ECD3, le moteur est équipé de deux sondes à oxygène et chacune d'elles envoie un signal. L'une des sondes est placée avant le catalyseur de démarrage, l'autre est placée juste après le catalyseur principal. Les deux sondes utilisent la technologie du zirconium et comme les autres modèles, la sonde pré-catalyseur fait partie intégrante du système de régulation de richesse. La sonde supplémentaire fait partie du système ECD3 et mesure l'efficacité du catalyseur. Si les performances du catalyseur sont inférieures à la normale, une panne est enregistrée dans la mémoire de l'ECM. Sa fonction secondaire est d'assister le calculateur pour la régulation de richesse. La sonde de pression absolue de collecteur qui mesure la pression dans le collecteur a également été déplacée. Précédemment, celle-ci était placée dans l'ECM lui-même. Elle est désormais située sur le collecteur d'admission à l'opposé du boîtier papillon. Juste à côté, vous trouverez le capteur d'arbre à cam à effet Hall dont nous avons parlé précédemment. C'est la première fois que pour les systèmes MEMS, l'ECM reçoit une alimentation directe de la batterie. De plus, le MEMS 3 reçoit des informations en provenance des autres unités de contrôle, par l'intermédiaire du bus CAN. Le MEMS 3 utilise ce bus pour communiquer avec les autres systèmes du véhicule. Maintenant que nous avons vu les différents signaux d'entrée,
Voyons maintenant les nouveaux signaux de sortie du système MEMS 3. Tout d'abord, il y a un témoin de dysfonctionnement moteur appelé témoin 1000. Comme nous l'avons déjà mentionné, ce témoin devra être actif dès le mois de janvier 2001. Sur la Rover 75, cette sortie sera active en 2000 et sera chargée de prévenir le conducteur de toute anomalie concernant le système de gestion moteur. Les autres signaux de sortie permettent de commander l'injection séquentielle, les bobines d'allumage et le moteur pas à pas, qui régulent le régime de ralenti. Ces différentes sorties assurent les mêmes fonctions que précédemment, mais leur fonctionnement et leur conception sont légèrement différents. Les injecteurs délivrent un jet de carburant dirigé avec précision derrière les soupapes d'admission, sous forme d'un jet multiple, améliorant ainsi la stabilité du ralenti et permettant une économie de carburant. Deux bobines d'allumage sont placées directement au-dessus des bougies et chacune d'elles peut être déposée pour permettre l'accès aux bougies. Déclenchée par l'ECM, l'une des bobines alimente simultanément les cylindres numéro 1 et 4, alors que l'autre bobine alimente les cylindres 2 et 3. Ce système d'allumage, connu sous le nom d'allumage à étincelle perdue, a l'avantage d'être compact et net. Au fait, les bougies ont une durée de vie de 100 000 km. La soupape de contrôle de ralenti est désormais commandée par un moteur pas à pas bipolaire. Celui-ci régule le régime de ralenti en contrôlant la quantité d'air dérivé du boîtier papillon. À mesure que ce moteur tourne, la soupape de contrôle de ralenti sera ouverte ou fermée, permettant la dérivation d'une certaine quantité d'air. Le CM peut également réguler le régime de ralenti en faisant varier le point d'allumage. Les ingénieurs recherchent en permanence les moyens d'améliorer les performances des systèmes de gestion moteur. L'une des innovations concerne le nouveau système de diagnostic embarqué intégré au système de gestion moteur, conçu pour répondre aux normes anti-pollution ECD3. Les diagnostics embarqués du MEMS 3 sont d'une telle précision qu'il est désormais capable de détecter les ratés du moteur en contrôlant très précisément le régime grâce à un capteur de vilebrequin à effet Hall. Lorsqu'un raté moteur a lieu, la vitesse de rotation du vilebrequin sera légèrement modifiée. C'est en détectant ce changement de vitesse de rotation que l'ECM peut déterminer quel est le cylindre qui a causé le raté. L'ECM pourra alors mémoriser un code de panne et, le cas échéant, le témoin de dysfonctionnement moteur pourra être allumé afin d'informer le conducteur qu'une anomalie est survenue. La fonction de détection des ratés moteurs est désactivée lorsque le véhicule roule sur une chaussée dégradée. En effet, dans ces conditions de conduite, la vitesse du vilebrequin peut varier de façon importante. Le MEMS 3 peut détecter ces conditions de conduite en contrôlant les informations reçues du capteur de vitesse de roue avant gauche par l'intermédiaire de l'ECU d'ABS. Les chocs ou les glissements provoqués par une chaussée dégradée affectent les signaux émis par le capteur. L'ECM désactive alors sa fonction de détection de ratés. D'ailleurs, ce signal est transmis par un fil spécifique qui relie l'ECU d'ABS et l'ECM de gestion moteur. Dans cette partie, nous vous présentons le moteur KV6 qui a subi d'importantes modifications permettant, après son utilisation sur la Rover 800, d'être adapté à la Rover 75. Pour répondre aux attentes et aux exigences de qualité concernant ce moteur KV6, une nouvelle chaîne de production a été construite. Du fait de cet investissement important, près de 90% des composants du moteur sont nouveaux. Cela va de la structure moteur plus rigide aux nouveaux accessoires électriques. Le KV6, monté pour la première fois sur la Rover 800, forme la base des deux nouveaux moteurs. L'un a une cylindrée de 2 litres, l'autre de 2,5 litres. Celui de 2 litres a été spécialement conçu pour la Rover 75. La différence de cylindrée entre ces deux moteurs est uniquement due à la modification de la course du piston. Les alésages restent identiques. Le moteur de 2 litres développe une puissance de 110 kW à un régime de 6500 tours minute et un couple tout à fait respectable de 185 Nm à 4000 tours minute. Dans sa version 2,5 litres,
les performances du KV6 ont été améliorées par rapport aux performances du moteur d'origine monté sur la Rover 800. Il développe maintenant d'une puissance de 130 kW à 6500 tours-minute et un couple de 140 Nm à 4000 tours-minute. Avant d'étudier le système de gestion moteur Siemens, voyons quelques détails de conception de ce moteur. Le bloc cylindre à 90 degrés est constitué de trois pièces de fonderie différentes, le bloc cylindre, l'échelle porte-palier de vilebrequin et le carter inférieur. Ces nouveaux moteurs sont plus robustes que leurs prédécesseurs. Le bloc cylindre en alliage intègre des renforts ainsi qu'une barre d'accouplement lui permettant de mieux absorber les contraintes inhérentes au montage transversal du moteur. Les chemises de cylindre coulissent dans la partie inférieure du bloc. Notez que ces chemises ont un diamètre plus petit que l'extrémité inférieure de la bielle. Il est donc nécessaire de déposer l'ensemble complet, c'est-à-dire le piston, la chemise et la bielle. Les culasses identiques sont équipées de soupapes d'échappement qui ont subi un traitement au carbone spécifique pour éviter leur grippage. Notez également que les nouveaux joints de culasses métalliques à 5 couches ne possèdent plus le bourrelet de caoutchouc que l'on trouvait sur les moteurs précédents. La partie inférieure du moteur est constituée d'un nouveau carter inférieur comprenant une plaque anti-barbotage et un refroidisseur d'huile. Une nouvelle pompe à huile entraînée par l'extrémité du vilebrequin ainsi qu'un nouveau filtre à huile complètent les modifications apportées au système de graissage. La pompe à eau est placée sur la face avant du moteur et ses joints d'étanchéité ainsi que ses joints internes ont été modifiés. La pompe est entraînée par la courroie de distribution primaire qui entraîne également les arbres à cames d'admission. Les arbres à cames d'échappement, eux, sont entraînés par l'autre extrémité des arbres à cames d'admission. L'alternateur, la pompe de direction assistée ainsi que le compresseur de climatisation, si le véhicule en est équipé, sont entraînés par une nouvelle courroie accessoire qui possède un tendeur automatique. Pour améliorer l'alignement de la courroie, l'alternateur est monté sur un support spécial intégrant deux bacs fendus. La courroie de distribution ainsi que la courroie accessoire ont une durée de vie de 150 000 km ou 6 ans. Le démarreur a été remplacé par un modèle démultiplié fourni par Denso. La ventilation du bloc moteur ainsi que l'apparence générale du moteur ont été améliorées par l'utilisation de couvre-culasses plus importantes ainsi que des durites de réaspiration en nylon munis de connecteurs à fixation rapide. L'aspect extérieur du moteur est également amélioré grâce à un cache conçu pour absorber les bruits et les vibrations. Les modifications qui ont été apportées concernent le collecteur d'admission. Ce collecteur est en plastique léger et sa conception est unique en son genre. Le système d'admission variable, connu sous le nom de VIS, permet d'ajuster en permanence la longueur des tubulures par plusieurs soupe-actionneurs. Le système s'adapte aux différentes conditions de charge, améliorant ainsi le rendement volumétrique du moteur par rapport à un système d'admission conventionnel. Cette technique permet d'obtenir un couple maximum sur une plage de régime importante. Tous les composants constituant ce système d'admission sont nouveaux, y compris le papillon secondaire qui fonctionne avec le système anti-patinage. Le fonctionnement de ce papillon secondaire est décrit dans la vidéo de présentation de la Rover 75, dans le chapitre concernant l'anti-patinage. Le régulateur de vitesse, en revanche, utilise un système de dépression qui agit directement sur le papillon primaire. Des injecteurs ventilés sont placés dans le V du moteur. Ce sont des injecteurs bijets qui injectent le carburant vers l'arrière des soupapes d'admission. Un film d'air enveloppe le jet de carburant et permet d'augmenter l'homogénéité du mélange. Les injecteurs sont placés sur une rampe en plastique constituée de deux parties. Cette rampe fait partie intégrante du système d'alimentation sans retour au réservoir. Voyons maintenant brièvement la constitution du système d'alimentation en carburant. La pompe à carburant est immergée dans le réservoir. Le filtre à carburant est placé du côté opposé et le régulateur de pression se situe sur le carter du filtre.
La pompe alimente par l'intermédiaire de durite la rampe d'injection placée sur le moteur qui, elle-même, comporte les injecteurs. La pression de carburant dans les durites d'alimentation et dans la rampe d'injection est maintenue à 3,5 bars par un régulateur intégré au réservoir. L'excès de carburant retourne au réservoir par l'orifice d'échappement. Pour compléter le système d'alimentation en carburant, un amortisseur est placé sur la rampe d'injection pour compenser les fluctuations de la pression de carburant. Les bougies d'allumage sont désormais des bougies au platine dont la durée de vie est passée de 40 000 à 100 000 km, comme pour le moteur série K 1,8 L. Les deux moteurs V6 utilisent un nouveau système de gestion moteur Siemens. Bien entendu, ce système répond parfaitement aux futures normes européennes ECD3 concernant les émissions de polluants et les diagnostics embarqués. Hormis les signaux supplémentaires nécessaires au contrôle du système d'admission variable, il n'y a pas de changement important en ce qui concerne les sorties de l'ECM. Considérons donc d'abord les changements apportés aux signaux d'entrée et aux capteurs, en commençant par le capteur de position de vilebrequin. Précédemment, ce capteur était monté sur le moteur. Il est maintenant placé sur la cloche d'embrayage. C'est un capteur à effet Hall qui fournit à l'ECM une information vitale pour la gestion de l'allumage et de l'injection. En plus du capteur de vilebrequin, il y a le capteur de position d'arbre à cames placé à côté du cylindre numéro 5. C'est également un capteur à effet Hall. À chaque tour d'arbre à cames, le capteur envoie une impulsion à l'ECM, permettant à celui-ci de gérer une injection séquentielle. La sonde de température de liquide de refroidissement est maintenant placée entre les cylindres numéro 5 et 6. Son signal est utilisé par l'ECM pour modifier la richesse en fonction de la température de fonctionnement du moteur, pour contrôler la vitesse de rotation du ventilateur de refroidissement et pour piloter la sonde de température du tableau de bord. Une sonde de température d'air et un capteur de pression absolue de collecteur sont combinés en un seul et même capteur. Celui-ci, placé sur le côté droit du moteur, à côté du boîtier papillon, est facilement accessible. Ce capteur peut mesurer à la fois la température de l'air d'admission et la pression dans le collecteur. Le capteur de pression est constitué d'une jauge de contrainte piézo-résistive qui mesure la pression juste après le papillon. L'ECM peut réduire, à partir de ces informations, la charge moteur et peut partager cette information importante avec d'autres unités de contrôle par l'intermédiaire du bus CAN. Par exemple, les véhicules équipés d'une boîte automatique utilisent cette information pour réduire le couple moteur au moment du passage des rapports. Le signal de température d'air d'admission est utilisé en conjonction avec la valeur de pression de collecteur pour déterminer avec précision la quantité d'air admise par le moteur. Cette information est utilisée par l'ECM pour le calcul de la richesse afin d'obtenir une combustion optimale. Par ailleurs, lorsque la température de l'air dépasse 55 degrés Celsius, l'ECM réduit l'avance à l'allumage pour éliminer le phénomène de cliquetis. Il y a un capteur de cliquetis par rangée de cylindres et ceux-ci sont placés au niveau du cylindre numéro 3 et 4. Lorsque le phénomène de cliquetis apparaît, l'ECM identifie le cylindre concerné et réduit l'avance à l'allumage en conséquence. Pour répondre aux futures normes ECD3, les moteurs KV6 de la Rover 75 sont équipés de trois sondes à oxygène. Deux d'entre elles sont placées à la sortie du collecteur d'échappement et la troisième est placée après le catalyseur principal. Les deux premières sondes permettent de contrôler la teneur en oxygène des gaz d'échappement et donc la richesse du mélange. La troisième permet au système OBD de contrôler l'efficacité du catalyseur. Son fonctionnement est identique à celui du moteur K 1,8 L. Toute panne détectée est enregistrée par l'ECM dont la mémoire peut être interrogée à l'aide du testbook. Ainsi s'achève ce programme concernant les moteurs de la Rover 75. Grâce à leur conception et grâce à l'utilisation de matériaux et de techniques avancées, les moteurs de la Rover 75 sont tout à fait à la hauteur de leur exigence.
La qualité de leur conception a également permis d'augmenter considérablement les intervalles d'entretien. Grâce à ces nouveaux moteurs et grâce à leur conception exceptionnelle, la Rover 75 redonne toute sa dimension au plaisir de la conduite.